Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais tout d'abord me présenter, Isabelle Mallet, responsable ressources humaines sur le site de Siegfried Saint-Vulbas. Je vais vous faire une rapide présentation de mon entreprise et puis ensuite je vais tenter de vous donner une vision des attentes professionnelles qui seront peut-être, et je l'espère, des clés pour vous et pour votre avenir. Voilà. J'ai toujours travaillé dans les ressources humaines, mais j'ai surtout toujours travaillé dans la chimie. Alors dans la chimie, diverses chimies, j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues d'Interfora, une certaine chimie qui est peut-être un petit peu différente puisque j'ai commencé par la chimie de la cosmétique dans le luxe chez LVMH. Ensuite j'ai fait de la chimie pour Merck et ensuite j'ai retrouvé donc la chimie fine, la chimie à façon avec Siegfried. Siegfried, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est très peu connu pour l'instant, ça va peut-être venir maintenant, que le groupe a réussi par le rachat de trois sites, qui appartenaient précédemment à BASF d'atteindre la taille critique, on en parlait tout à l'heure, de manière à être l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des principes actifs et d'avoir l'ensemble du flux des procédés pour l'industrie pharmaceutique jusqu'au remplissage de stérile. Siegfried s'est réparti sur le monde entier, hein, puisque vous le retrouvez sur l'Asie avec un site en Chine, deux sites aux États-Unis, deux sites en Allemagne, deux sites en Suisse, la société Siegfried est suisse d'origine, un site à Malte et un site en France à Saint-Vulbas. Le site de Saint-Vulbas est spécialisé donc dans la fabrication des principes actifs. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est un site qui est relativement récent puisqu'il est de 1993. C'est assez rare en France d'avoir des investissements qui permettent de créer un nouveau site industriel qui va regrouper 150 salariés avec tous les domaines d'activité que l'on va pouvoir avoir sur un site de production, mais un gros laboratoire d'analyse dans la mesure où, pour l'industrie pharmaceutique, il y a évidemment tout le contrôle analytique, notamment dans le cadre de la GMP. Alors, qu'est-ce qui va faire pour une entreprise d'être différente d'une autre? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va avoir la possibilité de réussir par rapport à celle qui va végéter? Eh bien, c'est tout l'avantage compétitif qu'elle va mettre en avant avec la qualité des ressources que détiennent ses collaborateurs. Et j'insiste, pas forcément par rapport à la qualité des collaborateurs, mais la qualité des ressources que chacun de ses collaborateurs peut proposer à l'entreprise. Ce qui veut dire que l'entreprise, au moment du recrutement, va être particulièrement vigilante à certains attendus, à certains requis en termes de compétences comportementales qui seront évoluées évidemment lors du recrutement. Pour la plupart d'entre vous, c'est déjà une expérience que vous avez connue avec l'alternance, hein, puisque vous passez forcément par une phase de recrutement. Mais c'est également ces compétences qui seront évaluées en permanence tout le long de votre vie professionnelle. Donc c'est vraiment particulièrement essentiel. C'est ce qui fera la différence entre deux candidats au moment du recrutement initial. C'est ce qui fera la différence par la suite au niveau des évolutions au sein de l'entreprise. Évolution des métiers, on en a parlé tout à l'heure. Évolution de l'environnement, évolution des individus, il y a beaucoup de questions, c'est certain. Les entreprises sont confrontées à des défis fondamentaux, ça a été dit tout à l'heure. Des mutations technologiques avec l'accroissement de la productivité, une évolution et des adaptations des métiers qui sont en permanence, un renchérissement des coûts des équipements, une intensification et une internationalisation de la concurrence avec tout ce que ça peut comporter en termes d'élimination des surcoûts, la mobilisation forte de l'ensemble des potentiels des personnes qui travailleront pour l'entreprise. L'implication de ces cadres, c'est un point extrêmement important puisque c'est ça qui va faire là aussi la différence par rapport à ses concurrents. Le maintien de la compétitivité, passant par une adaptation permanente, de l'anticipation, de l'action, de la réaction. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport à l'aspect internationalisation, par rapport à la maîtrise de la langue anglaise en particulier. Dans le contrôle analytique, je disais tout à l'heure que pour ce qui nous concerne, on est GMP,
ça veut dire qu'il y a des audits. Les auditeurs, ma foi, 9 fois sur 10, ils ne sont pas français, et en tout état de cause, ils ne vont pas le parler, même s'ils le parlent un peu. Donc ça veut dire que, en rentrant dans les métiers de la chimie aujourd'hui, il est absolument indispensable de maîtriser la langue anglaise. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Par rapport à ces divers changements, quelles sont les attentes de l'entreprise? C'est une grosse question. L'entreprise attend en particulier que ses cadres, qu'ils supportent le business. Hein. Et c'est vous dans la salle, les cadres de demain. Hein. Donc on compte sur vous. En revanche, quelles sont les vôtres d'attente par rapport à ce qui est attendu? Je crois que c'est vous qui avez la réponse. Hein. C'est vous qui allez les avoir, les réponses, parce que les cadres, les décisionnaires, les acteurs de demain, c'est vous. Les compétences attendues, bon, il y a évidemment les compétences techniques. Les compétences techniques, les compétences d'expertise, c'est le savoir, c'est le savoir-faire. C'est ce que vous avez acquis en tout état de cause avec votre formation, que vous êtes en train d'acquérir pour ceux qui sont encore en cours, avec votre master. C'est un diplôme qui est reconnu. On ne reviendra pas dessus au niveau de l'entreprise. C'est un acquis, ça, que vous avez d'ores et déjà avec ce master. Après, il y a toutes les autres compétences qui sont les compétences comportementales. Alors, les compétences comportementales, c'est quoi? C'est le savoir-être. Alors, dans votre rôle de futur cadre, hein, puisque vous allez normalement, avec votre master, être effectivement d'un niveau d'encadrement, ça veut dire que vous allez être au-delà de votre rôle d'expert, être financier. Vous allez devoir gérer votre budget. Hein. Vous allez être manager, certains, s'il y a de l'encadrement. Peut-être pas dans un premier temps, mais par la suite. Vous allez devoir être RH quelque part. Hein, si vous avez de l'encadrement, il va falloir que vous gériez les équipes, que vous connaissiez une certaine réglementation de manière à porter vos collaborateurs. Vous allez devoir diriger, orienter, développer et l'organisation et des collaborateurs pour obtenir des résultats. Donc, les compétences comportementales, j'insiste encore une fois, si elles sont évaluées au moment du recrutement, de toute façon, seront évaluées durant toute votre carrière, toute votre vie professionnelle. Alors, quelles sont-elles, ces compétences qui sont attendues? Madame Pradier, tout à l'heure, en a déjà parlé, vous-même en avez déjà parlé tout à l'heure, par rapport à des attendus qui sont forts. Par rapport à des définitions des objectifs qui doivent être toujours claires. Votre formation va vous aider par rapport à votre mode de raisonnement, par rapport à votre manière analytique d'approcher, d'appréhender les choses. Mais néanmoins, il y a tout un volet de communication claire, d'écoute active, de travail en équipe, de partage, de manière à faire adhérer soit un projet, soit une idée, soit une manière de penser, soit d'envisager vos projets, d'impliquer vos collaborateurs, ou si on est en mode projet, d'impliquer tous les acteurs du projet, hein, de savoir déléguer en permanence. En tant que manager-entrepreneur, vous allez devoir prendre des décisions qui vont favoriser la profitabilité avec une vision à court et à long terme pour l'entreprise. Vous allez devoir innover, mettre en œuvre des actions d'amélioration en permanence, de partager vos expériences. Vous allez, dans la conduite de projet, devoir assumer vos responsabilités, hein, en identifiant les alternatives, en faisant les choix, en prenant des risques calculés, en anticipant les conséquences que ça peut avoir, en restant pragmatique, mais surtout un point essentiel en jouant collectif. On travaille en équipe, on travaille jamais pour soi en entreprise. Ensuite, vous allez devoir, en tant qu'encadrant, devoir toujours être exemplaire, c'est-à-dire être visible, être disponible, accepter à la fois vos propres erreurs, mais également accepter celles des autres, pour prendre les mesures correctives de manière à progresser en permanence, de rester objectif, d'accepter le risque d'échec, de soutenir des idées originales, d'être dans le respect d'autrui et dans la bienveillance. En termes de service client, bon, contrôle qualité, contrôle
numérique, ça fait partie intégrante, mais au-delà de l'aspect purement scientifique, il y a tout ce qui va concerner les relations avec le client, donc de pouvoir fixer les priorités, de fournir les ressources nécessaires, de contrôler et d'évaluer cette satisfaction du client et de proposer des solutions. Tout ça peut paraître des évidences, néanmoins, ce sont toutes ces capacités qui sont attendues à gérer, à appréhender. J'insiste avec la méthode d'analyse que vous avez quelque part un atout hein, que d'autres n'ont pas forcément, mais c'est pour ça que toutes ces compétences sont attendues de manière à faire face aux différents enjeux, aux différentes situations qui sont celles du quotidien d'une entreprise. Hein. On va passer maintenant un petit peu en revue quelles sont les évolutions et les opportunités qui peuvent se présenter au-delà de simplement, enfin pas de simplement, au-delà de votre rôle d'expert. Les évolutions dans le temps, elles sont possibles à la fois vers des fonctions d'expertise approfondie, hein, où là, ça passera probablement par la prise en charge des services plus importants, de management, mais il y a également toutes les évolutions possibles sur des fonctions transverses, c'est-à-dire avec des évolutions transverses. Là, ça va passer par le développement des compétences, et quand on parle de développement des compétences, ça passe par plein d'autres choses que simplement la formation continue. Si la formation continue est essentielle, est importante, on considère qu'elle ne représente que 10% de l'apprentissage au long de la vie. Vous savez avoir 20% où vous allez apprendre par les autres. Vous aurez 70% d'apprentissage par votre propre expérience. Cette propre expérience, vous allez la construire comment ? En participant à des projets interservices, pluridisciplinaires, en acceptant des missions spécifiques. Ça va être avec de la mobilité. Alors de la mobilité dans une autre entreprise, de la mobilité dans un autre domaine d'activité que celui par lequel vous aurez commencé. Ça peut être une mobilité à l'étranger, d'où l'anglais. Par du management, peut-être dans un premier temps par le tutorat d'un apprenti, ensuite avec une petite équipe, plus largement avec un service. Voilà quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Une expertise en fonction de son choix, en fonction de ses capacités au management. On peut rester, bien évidemment, tout au long de sa vie sur de l'expertise, mais il y a quand même des opportunités, des ouvertures qui peuvent se faire, en particulier du côté de la production. Voilà quelles sont les différentes possibilités. Je rajouterais que durant toute sa vie professionnelle, on est en apprentissage. On est toujours, toujours, toujours à continuer à devoir apprendre, à devoir développer ses compétences, encore une fois, à la fois par la formation continue, c'est hyper important sur des domaines bien précis, et par toutes les autres solutions que je vous ai proposées. Voilà, je pense que j'ai à peu près passé en revue tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les métiers qu'on trouve en entreprise, enfin la vision qu'on peut avoir en entreprise et des attentes que l'on peut avoir. Je répondrai tout à fait volontiers à vos questions par la suite si vous en avez. Merci.